Yo les potes, bon retour sur la chaîne. Bon alors aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, j'ai cassé mon vélo. Je suis triste. Mais du coup ça va pas m'empêcher de taper une bonne session. Donc je vais aller voir les copains, qu'ils soient en BMX, en trottinette, en skate. Et on va essayer de faire des tricks avec leur sport. Et il y a des trucs que je redoute un peu. Donc on va aller commencer par du BMX tranquille, je vais rester dans mon domaine de prédilection. Et ensuite on fera de la trotte et ensuite on fera du skate. PS, j'ai jamais fait de skate de ma vie. Donc si tu veux voir, reste bien jusqu'à la fin, il y aura de la cascade et tout. De la chute sûrement, beaucoup de chutes. Et l'autre il me regarde là-bas comme si... Il allait mourir. Mais non. Alors on fait comme les youtubeurs. Oh. Donc là c'est Rohan. Enchanté. Rohan il va me donner un tricks. Oui. Mais d'abord, on va aller voir ce qu'il sait faire. On va te montrer ce qu'on sait faire. Et après ce magnifique run de Rohan. Si. Qu'est-ce que tu vas me donner comme tricks à faire avec ton vélo? Si bien, on a envie de te voir faire un truck tout bar. Truck tout bar avec un vélo de streeter. Bah vas-y, on va essayer. Allez. Oui monsieur. Bien joué. Yep boy. Là avec la Jules elle va me donner un petit trick. Et d'abord elle va aller nous faire quelques petits tricks style sur le parc. Donc voilà, donc la Julie elle nous a fait ses petits tricks là. Tu vas me donner un trick à faire avec ton vélo, avec un beau vélo rose. C'est ça, le vélo rose, c'est parfait. C'est parfait ce que tu fais. Un D4 sur la boxe. Un D4 avec ce vélo. Bon, bah allez. C'est parti. Oui monsieur. Bon alors on a fait le tour du BMX. On va passer à la trottinette. Avec ce man. On va montrer tout de suite de quoi il est capable, le type. Donc ça c'était Sohan. Tu vas me donner un petit trick que ça va faire avec ta trottinette. Moi je voudrais un double hip sur la pierre là-bas. Un double hip sur la pierre. On va essayer ça. Et c'est validé pour la street. Donc le double hip en trottinette c'est fait. C'est pas... Ça m'avait pas manqué. Et là maintenant du coup on est avec Maxime. Et Maxime lui il sait faire ça en trottinette. Ça c'était Maxime les gars. Bon, tu vas me donner un petit défi. Ce qu'on va faire en trottinette. Ben, je pense qu'on va partir sur un classique, hein. On va faire un petit flip. Je suppose que c'est la première fois que vous voyez un trotty rider avec un casque intégral. Voilà, on va faire le backflip. Donc pour la trotte c'est fini, maintenant on va passer au skate avec Gabin. Salut les gars. Et Gabin il envoie ça en skate les gars. Ça c'était la petite ligne de Gabin. Donc c'était un petit défi en skate du coup. Ouais carrément. Sachant que je n'ai jamais fait de skate. Ouais ça va le faire. En vrai tu peux commencer déjà par genre rouler là, tu montes sur la rampe et tu fais un petit flaky en skate pour voir comment tu roules et comment t'es à l'aise dessus. Vas-y, bon voilà. On va essayer ça. Ah c'est chaud. Ouh. Yes, tu veux. T'as un autre petit truc pour que... Qu'est-ce qu'on pourrait... Un autre petit truc un peu plus poussé. Dropper la rampe ici, là.
C'est faisable. Ouais, c'est faisable, mais ouais. J'ai très peur. Ouais. Va falloir m'expliquer comment faire. Pas de soucis. Eh ouais, mon gars. Vous avez un mec qui fait du skate en intégrale, gros? Eh non, c'est moi le premier à le faire, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil, comme ça, tac, tac, direct, boum, hein. Il faut bien se mettre en avant, je crois. Okay. Ah, on n'y pense pas trop. Fait beau, y a du vent. C'est bien. Ah, c'est bon, tu l'as, hein. Toi, c'est professionnel qui font ça. Quoi? Qui se passe comme ça, y'a que les professionnels qui savent faire ça. Ah, t'as vu. On est des pros aujourd'hui. Des pros dans tous les sports. Donc pour la première partie en skate, c'est bon, je suis pas mort, c'était ce que je craignais le plus. Donc là on est avec Romain, et Romain en skate, il envoie du sale, il fait ça gros. Ça c'était Romain au skate. Donc il va me donner un petit défi avec sa board. Tu vas faire un pop chevite. Un pop chevite sur la pira du coup. Ou flat comme tu veux. Ou flat. Bah je sais pas, on va essayer. Moi je sens plus sur la pira. Ouais bah flat et peut-être pira après. Ok, bah vas-y on essaye. Okay. Ouais tu fais un coup comme ça. Ok. Donc si j'ai bien compris, faut juste pousser avec l'arrière. Ouais. Et l'autre il se lève. Je vais me casser la gueule, c'est sûr. On se fait tous mettre le bonheur de ce truc. Ouais. À se mettre là-bas où il n'y a rien. Où je vais pas mourir. Vous pouvez le voir, je suis très à l'aise sur ce skate. J'ai très peur. Donc j'envoie comme ça. Ouais. J'ai peur. Oh. Ça. Voilà. Vas-y, on va essayer sur la pira du coup. En roulant du coup. En roulant, t'es sûr? Ouais, je vais essayer. Il a les trucs vraiment serrés, hein. Bah ça m'arrange pour le coup. Il bouge pas, lui, ce truc. Ça m'arrange, parce que toi, avec mes 80 kilos, ça fait... Alors, internet, n'hésitez pas ça à transformer ça en mème, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est encore pire. C'est encore pire, mec. C'est encore pire. Au pire, apprends à courir et te dropper sur la planche. C'est fatigant. Pourtant, je touche pas. Je suis démolé le crocule. Alors c'est comment? C'est agréable. Merci de la bille. Heureusement que j'ai le crash pad pour le coup. Dans les types là, viens. Yes. Un peu short là quand même. Yes. Ok, j'ai trouvé pourquoi j'y arrivais pas. Allez. Yes. Allez. Yes! Ouais, on va arrêter là-dessus. J'en peux plus, je suis sec.
Bon bah, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la prochaine j'aurai mon vélo. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!